Elle la <laughs> comprennent pas. Non, après, qu'est-ce euh... qui reste donc toi De la frustration, des C'est quoi le sentiment qui reste je, Non, plus rien. Du vide. Je te jure, c'est bah, bien sûr, c'est triste et tout, mais après, c'est pas quelque chose qu'on a choisi, donc euh, t'as pas le choix de l'abattre en soi. Hein. Non, je trouve ça, je trouve ça ridicule et incompréhensible, mais un peu comme tout le monde, je pense. En fait, euh, j'ai vu personne qui est venu me dire ouais, normal parce que, mmh, tu mmh. vois. T'as pas eu un, un, un argument ouais, qui Même as pas dit que ok. Ce, pas, je parle pas, pas forcément des organisateurs ou quoi, mais même quelqu'un de lambda euh, hors sport, il, personne n'est venu me voir, ouais, mais normal parce que truc, tu vois, parce que personne comprend. Enfin, quasiment personne en tout cas. Dans, dans les explications que donnent les organisateurs, notamment, il y a le fait d'aller chercher les sports plus jeunes, les auditeurs me voient pas mais j'ai mis des guillemets là, plus mmh. jeunes, euh, en tout cas qui sont vus sur les réseaux sociaux par mmh. des populations un peu plus jeunes on pense au surf, au skate ouais. Il y a eu récemment par exemple mais En gros, ça tu le comprends parce que moi je vais être honnête par exemple, moi je me dis qu'ils sont en train en partie de tuer les Jeux parce que les Jeux c'est la ouais. tradition aussi, c'est les ça. sports un peu ancestraux ça et ça. aller chercher les jeunes euh, bah, ça aussi te tue une partie de ce qu'a fait le mythe des Jeux Olympiques c est, c est, tu partages mais un peu ouais, ça il parle, Non, ils parlent d'audience déjà à la base donc déjà tu parles d'argent, tu parles plus de sport, donc mmh. oui tu tues mmh. les Jeux et en plus de ça euh, C'est un peu nous cracher à la gueule. Ça veut dire, ben, nous, en gros, on n'a pas d'audience. On... Mmh. Alors que je pense, j'aimerais bien voir euh, ma finale des Jeux, les audiences qu'il y a eu. Parce que je pense que c'était costaud. Moi aussi, je pense qu'il y avait du monde. Ouais. C'était costaud, donc euh... ça dépend pas du sport, ça dépend et de la du parcours. Que... Ça dépend de. Je crois de même que, que j'avais vu les trucs euh, et c'était du très costaud. Même j'ai fait partie des. Plus grosse, euh, du plus gros nombre de visionnages sur, sur, euh, sur, sur les, la finale sur des jeux, donc tu vois, c'est un truc qui n'est pas, conc... est, est, est pas concret ce qu'il raconte et euh, bon, c'est ça qui m'a pas trop plu, tu vois. Et en plus de ça, quand tu dis euh, on veut ramener des jeunes et tout à un sport qui a 300 000 licenciés juste en France, mmh. ouais. autant de dire qu'on n'a pas que des papis de 60 ans, hein, j'ai envie sûr. de te dire, des bien jeunes entendu. on en a plein. Hein. Et les sports... tu prends mon club, majoritairement, euh, 80% c'est que des jeunes, que et les... des ans... et les sports de combat, de façon globalement, les sports de combat, c'est que des jeunes, pas les choses à attaquer moi je trouve pour le coup et alors là c'est perso ça c'est mon avis perso mais le fait d'entendre ça de la bouche de Tony Estanguet j'aime beaucoup ce que fait Tony Estanguet pour les jeux mais d'entendre ça d'un triple champion olympique ouais. de sport qui était pas un sport à audience ni un sport ouais, euh, ouais. très jeune oui. il y a un côté quand même un peu hypocrite ouais, c'était voilà, oui. moi c'était mon avis mais je, ah. le, je le donne quand même là-dessus c'est quand t'as rien à dire tu cherches des trucs et au final là lui le... malheureusement c'est pas que contre pas non bien sûr mais lui il continue à s'enfoncer en fait dans le truc qui était indéfendable il a essayé de donner des arguments au lieu de limite, euh, il aurait rien dit, ça aurait été mieux. Il a essayé de donner des arguments euh, pas fondés, tu vois, et limite, c'est tirer une balle dans le pied tout seul, il s'est enfoncé tout seul et parce que c'était pas. Non, c'était pas valable. Ouais. Voilà, c'est ça. La question qui vient après, c'est qu'est-ce que tu feras lors de, des Jeux de Paris 2024 Alors pourquoi je te pose cette question C'est parce que je suis honnête, si j'étais toi. À mon avis, je prends un billet pour le bout du, pour l'autre côté de la planète. Je me mets sur une plage avec un cocktail et j'essaye au maximum d'éviter les images de ça pour pas remuer le couteau dans la plaie. Je vais rentrer dire à la FF12 et je vais attendre l'organisation de Paris 2024 de pied ferme. Je vais, je vais, être, je vais être très actif sur Twitter. Mais t'y as pensé Tu t'es déjà dit, est-ce que tu vois, est-ce que j'aurais envie d'y aller, d'aller voir que... les épreuves ou euh, voir Je sais pas, parce qu'en même temps, j'ai envie de te dire, euh, Ile de France euh, en pleine période des Jeux, ça va être un enfer. Total. Donc, euh, en plus, je... au mois d'août, il peut ouais, faire 40 degrés. Hein, donc, euh... donc euh, je ne sais pas. Il y aura des chances que je serai en vacances. Mais euh, non, après, je pense que... Je pense qu'en étant champion olympique, j'aurais peut-être un rôle quand même à Paris 2024, lequel je ne sais pas, mais peut-être que j'aurais un rôle. Je serais, dans... je serais ici avec toi. Mmh, bah exactement. Ouais. Attends, on se on fait... Je serais en train on... de commenter avec toi. Tu nous fais, tu nous fais mon consultant. Voilà, oh, bah, je serais consultant. Bah, bah, C'est signé demain, ah, on, vous le, on vous le signe <laughs> en direct dans le Fighter Club. Et, euh, donc je pense que j'aurais un rôle quand même, mais, euh, mais si, je, a... si je serais présent, je ne sais pas. Tu penses qu'il y, y aura un petit pincement au smoker quand même mais, Putain, j'aurais dû y être. Quoi. Ouais, et après je me dirais Bon, après, ce n'est pas grave, je l'ai quand même. Ouais, il, il, il est là. à la domicile, mais je l'ai. Est-ce qu'il y a la conséquence du fait qu'il est plus de JO Je le disais dans l'intro c'est que tu seras le seul et unique, sauf s'ils leur mettent à long terme, ils ouais, si ouais. le karaté au JO à long terme, mais pour l'instant, c'est pas l'idée. Mm. Tu seras le seul et unique champion olympique des moins de 67 kilos de l'histoire. Il y a une forme de fierté quand même là-dedans ouais, de de fierté... bon, bah, Personne <laughs> au monde pourra dire qu'il est champion olympique de karaté de moins de, ouais. moins de 67, à part moi. Après, il y a surtout. Ouais, mais ça, ça reste un peu égoïste. De loin, tu vois. Total. Donc, <laughs> Après, je teste l'égoïsme de Stéphane Dacosta dans, dans le Fighter Monsieur il faut savoir être égoïste. Non, mais euh, <laughs> euh, c'est beau d'être le premier, tu vois. Moins beau d'être le dernier, malheureusement. Mais d'être le premier, ça, je le serai pour toujours. Et tu vois, donc ça, oui, ça, c'est magnifique. Après, le dernier, bof. Et ça te rajoutait une. Ça te rajoutait une forme de pression sur ça, le fait que ce soit le premier Moi, je disais non, de parce dire, que je... tu vois, ouais, ouais, j'aimerais ah bah, bien être le premier, quoi. Je me disais non, ça rajoute rien, mais surtout, le, la plus grosse pression, c'était que ce soit le dernier, mais je disais que non, que ça ne me rajoutait rien, parce que, bon, si je dois gagner là, c'est que je devais gagner, si je dois pas gagner, c'est que je devais pas gagner, mais au fond, euh, quand même, tu vois, indirectement, tu te dis, bon, vas-y, c'est one shot, t'as pas le choix, et... Euh, et il euh, faut, faut le prendre maintenant. En fait, genre, je me disais, faut pas que je ne peux pas laisser briller quelqu'un d'autre, tu vois, à ce moment-là. Genre, euh, laisse-le briller à un autre compète qu'on s'en fout, tu vois, ouais, ouais. pas celle-là. Celle-là, celle ouais. avoir... ouais, Derrière, il y a les championnats du monde, novembre 2021, si je ne pas de bêtises, que tu remportes aussi. Ouais. Championnat d'Europe, donc, qui arrive, tu nous l'as dit en mmh. début d'émission, dans, dans quelques jours. Euh, il y avait cette volonté de se dire, euh, je reste le patron, tu vois, des, des compétitions qui arrivent derrière pour montrer que... Bah, Ouais. Le patron des jeux, c'est le patron tout court. Oui, ouais, bien sûr. Après, à la base, en vrai, là, euh, avec les mondes à Dubaï, j'ai enfoncé le clou. Hein. Mmh, bah oui. Tu vois, surtout trois mois après les champion jeux. Champion olympique, champion du monde en trois mois. Ouais, fait, hein. Tout le monde sait que la plupart, de bah, toute façon, je crois que de la plupart des médailles olympiques ils se sont plantées hein, au monde, hein, parce qu'en même temps, c'était un calvaire. Et autant dire que j'y étais en roue libre sans entraînement. Hein. Si je me suis entraîné deux semaines complètes en tout. Ah, c'est ouf. C'est beau. Bon, en trois mois, là. Parce que j'étais jamais à la maison. Champion du monde en deux semaines d'entraînement, ça va. Ça va, il y a du talent, y a du Non, travail, je film. sais pas, mais après, j'étais quand même préparé parce que, tu vois, il y avait eu tout ça, toute la prépa des jeux, en soi, elle n'était pas effacée en quelques mois, ouais, tu bien vois. sûr. Mais bon, euh, j'étais plus. Mais franchement, j'étais, je me disais vivement que ça passait. Dans ma tête, je me disais, je peux pas passer à côté puisque, genre. Euh, Ouais, est parce dur. que je ferais passer ça pour un coup de bol. C'est un... Ouais, voilà, ouais, un truc bizarre. Parce au que fond, moi, je me disais, je m'en fous parce que je viens de faire champion olympique. Même si je rate les mondes, genre, au fond, j'aurais accepté de passer à côté des mondes parce que je sais que j'allais pas dans les meilleures dispositions. Mais après, euh, au fond de moi, je me disais, ouais, mais je peux pas leur laisser. Non. Tu vois, je peux pas leur laisser ça, penser Il ça, du bon oh, et, ouais, et, je... et, et puis je te connais. Une fois que tu es dans la compétition c'est euh, ça. Tu connais. Après, je me suis dit une fois, bon, vas-y, c'est bon, j'ai fait champion du monde. Là, maintenant. C'est bon, même si ça passe, puis, tant pis. C'est bon, là j'ai fait la. Bon, on ne va pas refaire tout ton palmarès, hein, mais il y a un palmarès long comme le bras et qui commence dès les juniors et même les cadets avant. Enfin, il y, y a des titres de partout. En tout cas, globalement, champion olympique, double champion du monde, double champion d'Europe. Là, je ne parle qu'en individuel, mmh. bien mmh. entendu. Tu as tout réussi dans ton sport. Il enfin, n'y a pas un titre que tu n'as pas été chercher. Ouais. Et euh, le seul titre, ton Graal, eh ben, on te l'a enlevé. Le Graal olympique, en tout cas, il, tu pourras plus aller le rechercher. Quand on n'a plus ce Graal olympique, qu'on a déjà tout gagné, mmh. on a que 25 ans. Mmh. Qu'est-ce qui fait continuer Qu'est-ce qui te fait continuer le karaté aujourd'hui, Steven Je ne suis plus dans la même optique, c'est ce que je dis là depuis un bon moment. C'est que bah ouais, j'ai tout pris et la motivation, c'est plus la même. Après, euh, genre si, si demain tout s'arrête, je serai fier de tout ce que j'ai fait. Et de, là, aujourd'hui, j'accepte le fait que demain, je ne gagne plus. Tu vois mmh. Alors qu'avant, je l'aurais peut-être moins ouais. accepté. Aujourd'hui, j'accepte que demain je gagne plus, c'est que, voilà, que ça, ça devait passer à autre chose. Par contre, j'irai toujours. Là, tant que je suis là, c'est que j'ai encore envie de gagner. Tu faim, vois. Ouais. Mais ce que j'ai faim aujourd'hui, ce n'est plus d'aller chercher tel titre ou tel titre, c'est d'aller chercher des records. Tu vois. Mmh. On va bah, Là, on est plus dans les records parce que... Tu en as un en tête particulièrement ou... bah, Déjà, si je refais champion du monde, je suis le record euh, Man de, des... de, ouais, de la fédé française okay. de tous les temps. Meilleur caractère français. Là, je pense aujourd'hui, euh, je le suis dans les records grâce au jeu parce mmh. que il y en a qui sont à égalité avec moi sur les qu mondiaux, tu vois qu'il n'y a pas les jeux mais après bon ça voilà il n'y avait pas les jeux avant mais euh, oui si je refais champion du monde je crois que je, ça, là c'est plus le gros palmarès de tous les temps en France donc euh, voilà il y a quelques records à aller chercher tu vois mais ça me challenge un peu mais c'est pas non plus euh, tu vois maintenant j'y vais j'ai toujours faim de gagner parce que sinon j'y vais pas et, 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 et c'est pareil la question qui vient derrière c'est que le jour où ça ça disparaît t'arrêtes Ouais, le jour où j'ai plus l'envie, les crocs, et que genre euh, je m'en fous, j'y vais, je me fais laver, je m'en fous, euh, c'est qu'il est temps d'arrêter. Ouais. Et tu as pensé, pour le coup, après les jeux, il y a eu un... En plus, avec le fait qu'il n'y ait pas à Paris, il y a eu un moment où tu t'es dit basta Ouais, f... non, pas... je ne suis pas arrivé au point de me dire basta, parce que... En fait, je sais que ça sera dur d'arrêter même le jour où je voudrais, parce que as vu, il y a des... C'est déjà est notre truc de famille, un peu. Même si euh, mon grand frère, il aime un peu le pied et tout. Et... Mais genre, ça me ferait du mal par rapport à mon père. Tu vois, il a tout donné pour nous et je sais qu'il aime trop ça. Je... Mmh. C'est le sujet tabou aujourd'hui. Il n'y a pas de sujet tabou dans la famille. Tu peux parler de ce que tu veux. Vraiment, vraiment. Tous ceux qui viennent chez moi, ils savent qu'il n'y a aucun sujet tabou. Genre, mes parents, c'est des potes à nous. Ouais. Vois. Vraiment, <laughs> tu tu peux parler de tout. Par contre, je te jure que ça, c'est un sujet tabou. Genre, euh, mon père. Il va y, il y avoir un bon froid de... à la table familiale le jour Un froid, alors. mais ça, tu vois, c'est le sujet dès qu'on le lance, il, tu vois que mon père il va essayer de changer de sujet, tu vois, ouais, il cool. va essayer de changer de sujet, il va parler d'autres trucs, il va faire comme s'il n'avait pas entendu, est que ça parce le que, ouais c'est qu'il a pas envie d'entendre parler de ça, tu vois, donc ça je sais, après c'est comme le casino, le sport faut savoir s'arrêter, je te ouais, ouais, pas, bien sûr, tu vois c'est, euh, je préfère partir euh, jeune sur une belle image euh, en mode, euh, vas-y on a tout gagné, et on finit propre euh, faire la finir à 33 ans mais mmh. faire euh, les années de trop euh, je me je suis là je fais plus un seul con je fais plus un seul titre à part euh, les championnats de France et tout tu vois euh, non laisse tomber ça ouais, sert plus à rien voilà bon tu l'as évoqué je, je voulais finir là dessus